93.1. Le nouveau contexte mondial de la mutation géostratégique et de révolution scientifique et technologique offre à l'Afrique l'opportunité de s'affirmer pleinement dans le nouvel ordre économique mondial. Émergence, tous les vendredis entre 15h et 16h, dans une action inspirée pour la réflexion et une réflexion qui suscite l'action. Flamme Sassi et ses invités traitent des questions africaines. Émergence, réenchanter idéologiquement l'Afrique. Émergence, tous les vendredis de 15h à 16h avec Flamme Sassi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous écoutez Taxi FM, musique, sport, information. Toutes vos passions sont forcément sur Taxi FM. Émergence. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être sur Taxi FM dans l'émergence où l'Afrique est notre choix. Aujourd'hui, plus qu'hier, l'état du continent n'est pas si reluisant, loin s'en faut, de la problématique des indépendances effectives ou non des états du franc CFA, etc. On assiste aujourd'hui à une ignominie en ce 21e siècle des fils d'Afrique, ex-slaves sur leur propre terre et les bourreaux, leurs propres frères. Ce qui a fait le chou gras des médias sur le continent ces derniers temps, c'est la première tournée africaine de Macron en tant que président. Un événement, un accueil en grande pompe, si, comme au temps de De Gaulle, un peu comme si finalement rien n'a changé. À l'heure où on parle de renaissance du continent, il est opportun de mettre l'emphase sur les artistes qui ont toujours refusé, dans leur combat contre l'ordre colonial, de souscrire au contrat de l'assimilation qui les réduisait au statut d'une catégorie raciale inférieure, préférant ressaisir les valeurs qu'ils possédaient avant leur contact avec l'Occident. Quel doit être alors l'engagement de l'artiste pour une Afrique unie, forte et digne? Et l'homme Kossi Vince veut porter sa voix au chapitre pour l'affirmation identitaire et dignitaire du continent dans les destinées universitaires, dans les destinées universelles. Je vous en prie. Et l'homme Kossi Vince, bonne arrivée. Merci frère. Tu veux porter ta voix, je vais le redire, au chapitre pour l'affirmation identitaire et dignitaire du continent dans les destinées universelles. L'Afrique doit cesser d'être la périphérie des autres et être le centre d'elle-même déjà. Comment te présentes-tu, Elon Vince? Elon Vince, c'est un homme. C'est un homme de sexe masculin, africain, peau noire, vivant en Afrique. C'est quelqu'un qui a beaucoup de rêves par rapport à l'Afrique. C'est quelqu'un de déterminé. C'est un volcan ambulant. C'est quelqu'un de très vulnérable aussi parce qu'il a choisi d'affronter sa peur. Et quand tu choisis d'affronter ta peur, parfois, tu es obligé d'être qui tu es. Et quand tu es toi, tu es vulnérable. Et au fond, c'est quelqu'un qui croit que la fatalité n'existe pas. En tout cas, une présentation qui est empreinte de beaucoup de profondeur, de la vulnérabilité qu'on peut assimiler à la force. Ça fait contradiction, mais il faut être aussi profond et peut-être philosophique. Comme Elon Vince, d'abord, comment définissez-vous votre musique dans un contexte aujourd'hui, comme je le disais, d'affirmation identitaire de l'Afrique sur l'échiquier mondial? Ma musique, principalement, a pour but, personnellement, pour moi, de me creuser. Parce que souvent, je pense qu'on fait l'erreur de vouloir juger les autres, de parler de tout ce qui est extérieur et de ne pas prendre le temps de nous creuser nous-mêmes. Donc je pense que ma musique, elle est introspective. Rentrer en moi-même et me révéler à moi-même. Mais au-delà de me révéler à moi-même, je pense que par rapport à l'Afrique, puisque c'est de cela qu'il s'agit, ma musique est là pour sublimer l'Afrique. Sublimer l'Afrique, ce n'est pas forcément montrer juste tout ce qui est beau. C'est aussi rentrer dans tout ce qui n'est pas bien. Parler de ce qui ne va pas. Réfléchir autour de ce qui ne va pas. Des fois, quand vous écrivez des morceaux dits engagés ou des morceaux dits dénonciateurs, les gens vous taxent de contre tel ou tel. Et quand vous êtes là, vous commencez à chanter, c'est manger beaucoup, danser beaucoup, on vous applaudit. Je dis non. Je dis, pense que sublimer l'Afrique pour moi, c'est pas que dire tout ce qu'il y a de beau là-dedans. Je pense qu'à travers mes clips, je montre suffisamment ce qu'il y a beau en Afrique. Donc vous parlez peut-être de catharsisme. Déjà, moi, ça m'interpelle quand vous dites ces musiques-là qui veulent sublimer l'Afrique à travers le côté dansant, alors que peut-être, avez-vous envie de dire, il y a des problèmes réels qu'il faut affronter. Et donc justement, dans votre regard sur l'Afrique d'aujourd'hui, que pensez-vous des musiques
dite d'ambiance facile? Déjà, je pense qu'il y a un jugement dessus quand on dit musique dite d'ambiance facile. Moi, je veux pas juger ce que les gens font. Je pense que les gens ont besoin de danser, tu vois. Mais pour moi, ce qui est important, c'est que chacun doit comprendre quelle est sa part. C'est quelle est sa part de responsabilité. Je veux pas parler forcément des autres. Je préfère parler de ce que moi, je fais. Je pense que, ouais, j'ai un garçon de 4 ans qui danse sur cette musique-là, oui. qui aime cela. Et si moi je l'aime pas, peut-être parce que je suis conscient de certaines choses, je pense que oui, c'est une preuve par le pape pour dire qu'il y a des gens qui ont besoin d'écouter ça. Maintenant, ce que je disais tantôt, sublimer quelque chose, ce n'est pas juste voir tout ce qu'il y a de bien, c'est traverser nos zones d'ombre. Et moi, les zones d'ombre, ça m'intéresse beaucoup, parce que beaucoup de gens ne veulent pas rentrer dans leurs zones d'ombre. Je parlais tout à l'heure de nous individuellement pris. Toi, en tant qu'être humain, est-ce que tu prends le temps de traverser tes zones d'ombre? Parce que je suis aujourd'hui convaincu que c'est en investissant nos zones d'ombre qu'on devient puissant. Est-ce que finalement l'homme vient ça fait de ces zones d'ombre ces zones de confort? La zone d'ombre n'est jamais une zone de confort. Et je pense pas que je suis déjà arrivé à cela. Le jour où je vais arriver à cela, je pense que je vais atteindre un degré d'illumination. C'est pas le cas encore. Je pense que nos zones d'ombre font toujours peur. Et que, ouais, justement, sortir de sa zone de confort, qui est souvent cette zone de sublimation de la partie lumineuse, ce qui est intéressant pour moi, c'est de rentrer dans la zone d'ombre et de l'explorer. Est-ce que vous êtes déjà dans l'indigo? Parce qu'on parlait avant d'entrer en studio, où vous compariez l'indigo au bleu, parce qu'il faut dépasser ses peurs. Moi, j'ai sorti cet album il y a 2 ans, tu vois. Mais c'est un album pour moi qui est toujours d'actualité et qui sera d'actualité tant que certaines lignes ne se déplaceront pas. Moi, je suis dans le mood indigo. Je pense que l'Afrique, pour moi, n'est plus dans le blues. On n'est plus dans la douleur. On a dépassé la douleur. Il faut dépasser la douleur ou on l'a dépassée? Je pense qu'il faut apprendre à dépasser la douleur. Ça, c'est encore là, on est en français, tu vois. La langue française, elle est compliquée, elle est simple en même temps, mais elle pose des pièges. Dépasser la douleur, c'est la transcender. Si on parle de transcendance, c'est différent. Mais une chose est chose, c'est comment tu affrontes une douleur dépassée. Tu vois, c'est comme des fois quand tu saignes et qu'il y a le sang qui sort pas, c'est tout blanc. Pour moi, ça, tu es dans la douleur dépassée. Des fois, même quand tu saignes, ça va, tu vois. Des fois, tu as une plaie, ça saigne même pas. Tu vois, ça, c'est la douleur dépassée. Et je dis, l'Afrique, c'est ça. Tu parlais tantôt de ce qui s'est passé en Libye dans ton introduction. Si en 2017, forcément, on va en parler. Ou en 2071, tu vois. Parce qu'il faut flip de perspective. On peut encore voir sur ce continent des gens vendus. C'est qu'il y a un problème et qu'on est en train de faire la politique de l'autruche depuis longtemps. Et c'est ça qui m'intéresse. Exactement. Et le problème, c'est que c'est des fils d'Africa vendus sur leur propre terre. Et les bourreaux, leurs propres frères, comme je le disais. C'est pas que leurs propres frères. Je pense que c'est pas une bonne lecture de la chose. Est-ce qu'au-delà de ça, Béanzin, avec Agbouliagou, l'histoire a commencé depuis, même si c'est pas l'Africain même qui écrit cette histoire? C'est vrai qu'il y a beaucoup de causes. Dans le dernier morceau que j'ai sorti, j'ai dit basse de Kamsou. Mais là, qu'est-ce que Malé, Béanzin et Martinico. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que ça a manqué quelque part, cette union? Il y a manqué. Ça a manqué. Et tant qu'on n'a pas, on prend pas le temps, tant qu'on ne prendra pas le temps d'investir ces choses-là, tant qu'on n'aura pas le temps de parler des choses qui sont encore dans nos maisons, tu vois, d'en parler sincèrement, sans tabou, sans passion, les choses vont se perpétuer. Et vous définissez-vous finalement comme un artiste engagé? Ça, c'est ce que les gens disent. Je pense que moi, je suis un artiste. Je suis moi. Bon, moi, en tant que journaliste, en t'observant, en te lisant, en t'écoutant, je peux dire que tu es un artiste engagé. Et tes productions musicales sont empreintes de spiritualité. Et pour toi, je vais te tutoyer, finalement, on est de la même génération. Pour toi, en tant qu'Africain, est-ce une manière de faire de la musique dans son sens originel, puisque les chants en Afrique ont à la base un caractère spirituel, où il y a des incantations? Tu parles aussi d'incantations quand je vois ton profil. Il y a deux choses. Moi, je pense que je suis l'un des artistes qui parle plus d'amour. Parler d'amour, pour moi, ça ne veut pas dire je t'aime, tu m'aimes. Non, je ne parle pas de ça. L'amour qu'on a pour nous-mêmes en tant qu'Africains, l'amour qu'on a pour les autres, parce qu'on est tolérant, malgré tout ce qui nous est arrivé. Moi, je parle d'amour dans mes textes. C'est de l'amour. Mais tes productions musicales, comme je le dis, sont empreintes de spiritualité. Justement. Et ça a même l'essence pour toi de la musique. Est-ce qu'il peut y avoir spiritualité sans partage? Est-ce qu'il peut y avoir spiritualité sans amour? Est-ce que ça rejoint les chants, les rituels de nos ancêtres sous la voix palar au son du tam-tam? C'est réel. Afi amile, menye kwegle, wa milioe.
afi amile mini gbegble wo milio amede rien bova et bois madio amede rien zeva azia madio flou flou legbe ma balulu legbe ma 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 ayo. C'est un chant vaudou, tu vois. C'est un chant vaudou et ça dit tout quand on. Quand ça veut dire que voilà. Tu vois, ce qu'on est en train de faire ici, c'est pas de la blague. L'émission qu'on est en train de faire là, il est 15h21, temps universel. Je sais pas quel. On est le 1er décembre 2071. C'est pas de la blague. Et ça, c'est parce qu'on aime l'Afrique qu'on est là. Et on peut pas parler d'aimer l'Afrique sans parler de spiritualité. Tu vois ce que je veux dire? Parce déjà, expliquer un peu ce qui se trouve dans le chant, les paroles de ce chant-là. Ouais, c'est dire, on est là, ce qu'on fait, c'est pas la blague. Donc, si quelqu'un vient avec des mauvaises intentions contre nous, rien ne pourra nous toucher. Exactement. Parce qu'il n'y a pas rien de plus grand que l'amour. C'est-à-dire que philosophiquement, quand on est unis, quand il y a le vrai amour entre nous, on est plus fort. Le problème de l'Afrique, c'est qu'on ne s'aime plus. Il ne faut pas aller chercher parmi le chemin. On ne s'aime plus. Tout ce qui vient de chez nous, on dit c'est mauvais. On nous a dit tous, votre culture elle est mauvaise. Regarde même là, mille filles, mille deux français. Oh, il doit signer le scroop pour mille. Bon, comme il m'a français, dis tes questions vendredi. Le lessi matin, tu m'as dit le scroop. Tu veux plus aller à l'école vendredi parce que tu sais que en CM1, CM2, il y a le diké. Et tu vas faire des fautes, on va te frapper. Le signal. On te demande de te renier pour que tu sois. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec nous au final? Les gars, on leur a demandé depuis l'enfance de se renier, de renier leur culture. Il y a une grande auteure américaine qui s'appelle Audrey Lorde que j'invite tout le monde à aller lire. C'est en anglais, je sais pas, peut-être qu'il y a des traductions en français, mais elle dit qu'on ne peut pas battre les gens avec leurs propres armes. Et malheureusement pour nous, depuis l'école primaire ou depuis la maternelle, pour ceux qui ont fait maternelle, une maternelle, deux, les gens comme moi qui ont commencé l'école à 2 ans, les parents, ils n'avaient pas le temps, tu vois. On vous envoie là-bas, tu vois. Et le lavage du cerveau commence très tôt. Finalement, on est des robots. Je dis, moi, l'artiste. Et justement, l'artiste aujourd'hui, à l'heure où on parle de renaissance de l'Afrique, c'est aussi trop dédouaner les Africains. Quel est finalement le rôle de l'Africain? Le pianiste congolais Rilama disait, les artistes doivent se mouiller pour que la connaissance des peuples africains passe dans l'imaginaire des gens. Il ne s'agit pas seulement d'enseigner cette histoire dans les manuels scolaires. Quel est aujourd'hui le rôle finalement de l'artiste africain? Sur mon album Indigo, j'ai invité un historien. C'est inédit de voir sur un album de musique, un album de rap. J'ai invité un historien avec qui j'ai fait un featuring. C'est le morceau le plus puissant de l'album. C'est 24 minutes, Hamzat Boukhari Abara. C'est inédit parce que et les gens ils doivent comprendre, en tout cas les auditeurs et les auditrices de Radio Taxi FM doivent comprendre en tout cas que c'est pas pour rien qu'il en veut. C'est dans l'émergence qui parle du développement de l'Afrique parce que vous êtes un artiste qui est vraiment indiqué pour cette émission-là. On revient en tout cas sur votre morceau. Tu parles de Rilama. Oui. Tu vois Rilama. C'est ce qu'il a dit. Hamzat, il a écrit un livre qui s'appelle Africa Must Unite, une histoire du panafricanisme. C'est un gars que j'ai rencontré à Paris lors d'une conférence et le type m'a donné vraiment envie de faire un doctorat. Et quand moi j'ai lu son livre, je dis, ce monsieur, il a besoin d'être entendu. Donc justement, comment on sort sa pensée d'un livre et qu'on puisse se divulguer? J'ai fait mon site dès que j'ai vendu. Bon, du moins j'ai fait un pressage, c'est des 1000 exemplaires. Tout est presque parti, sans parler de tout ce qui est digital, etc. Il y a le vinyle qui va arriver. Oui, justement, c'est ça aussi. Comme dirait la main, il faut commencer à vulgariser les choses. C'est le mot, vulgariser. Et je pense que l'artiste africain a ce mérite d'être écouté, d'être entendu. C'est peut-être à travers la parole, c'est peut-être à travers l'écriture, c'est peut-être à travers l'image. Les clips, pour moi, c'est très important, tu vois. Pour moi, très Stevie, je le dis haut et fort, c'est le plus mauvais truc qui arrive à la jeunesse africaine aujourd'hui. Parce que c'est que les culs qu'on montre dans ce truc-là. On passe le temps à montrer des culs. Sur cette chaîne-là. Exactement. Donc ça rejoint finalement les musiques qu'on dit, les musiques dites d'ambiance facile. Moi j'aime dire les musiques de basse fréquence. Vous donnez clairement votre opinion sur la chose. Et l'on veut être rappeur engagé. Pour vous, le rap, c'est la musique qui épouse la rage de la rue finalement. La rage de la rue. Aujourd'hui, on ne peut plus parler de rue, tu vois. Parce que quand on a commencé par des streets, parce qu'on parle des États-Unis, aujourd'hui, dans les villages, les gars ils font du rap. Donc je ne sais pas de quoi, de quelle rue on parle. Si on parle de la rue entre deux cases. Il y a des rues en Afrique avec tous les mouvements. Je ne sais pas si c'est une rue entre deux cases ou c'est des rues comme les rues dans les villes. Non, je pense que comme le reggae, comme le rock à une certaine époque, comme le jazz, le rap est une musique qui dérange dans la mesure où c'est pas, il ne va pas te chanter Fly me to the moon. Non. I'm on the moon.
Ouais, c'est des trucs vrais, c'est des trucs qui sont assez percutants et qui touchent quand même la réalité. C'est vrai qu'il y a des projets quand même au niveau des artistes, quand on prend les Maliens, les Rokia Traoré, les Salif, et Kita Mariam, et les autres qui ont quand même des projets pour vulgariser cette culture africaine. Mais cela ne se fait pas forcément ici. Ailleurs, on voit des artistes comme Angélique Kidjo, aussi la fille du Vaudou et tout, qui vulgarise la culture africaine. Mais ça manque un peu sur le continent aussi. Ça manque sur le continent. La raison, c'est que, regarde, quand tu prends quelqu'un comme Billie Holiday, qui a moi fini devenu shooté, drogue, assailli par le FBI, quand tu prends quelqu'un comme Charles Mingus, tu sais, moi je trouve que le jazz, pour moi, les jazzmen, c'était des rappeurs, mais qui étaient mieux que des rappeurs. Ils rappaient avec leurs instruments à l'époque, mais c'était des gars qui étaient pas dans les cases. Et ils ont fait chier le système. Quand tu prends Nina Simone, tu vois, mais ces gens comme moi, ils ont fini. Donc beaucoup de gens se disent, ouais, ils ont fini sans le sou, alors qu'on est dans un monde où on t'est considéré quant à l'argent. Quant à l'argent, c'est le pouvoir de l'argent qui régit ce putain de monde. Tu vois ce que je veux dire? Donc en gros, beaucoup de gens ne veulent plus s'investir dans ces trucs-là parce que, ouais, ils aiment bien la climatisation. Ouais, on aime le bling-bling. On veut paraître au lieu d'être. Les gens ne veulent plus avoir des problèmes. Ils ne veulent pas avoir des problèmes. Ils se disent, quand tu chantes ça, tu vas avoir des problèmes. Pourquoi je vais chanter cela? Tu sais, j'ai un grand artiste togolais, je vais pas dire son nom ce soir, qui un jour m'a rencontré dans le studio pour me dire, ouais, on me l'a dit, oh, oh, oh. Yo, depuis que tu as entendu que c'est l'herbe qui pleut le vent. Pourtant, c'est un artiste qui m'a inspiré, mais qui aujourd'hui s'est rangé. Et qui, même si, je sais pas si c'était des conseils ou des reproches, en même temps, il disait, ouais, que la jeunesse doit faire quelque chose. Mais justement, c'est ça. C'est que les gens se disent, je pense qu'il y a beaucoup. Tu sais, moi, tu vois, après, je sais pas, je vais pas parler trop du contexte togolais, quoi. Mais on était dans un taxi où il y a un gars qui disait, les gens qui marchent là, c'est rien. Je dis, tu sais, les gens qui marchent dans les rues là, il y a des gens qui pensent comme eux, peut-être 4 fois plus qu'eux qui sont pas dans les rues, parce qu'eux, ils n'affrontent pas leur peur. Donc, c'est pour dire qu'il y a plein d'artistes qui veulent dire des choses vraies. Mais ils se disent que s'ils font ça, ils vont se fermer des portes. Et ils n'ont pas totalement tort. Il faut être endurant pour accepter dans nos pays dire des choses, et voilà, il faut être naïf aussi. Ils ont peur de cette vulnérabilité que je pense que l'artiste ne doit pas être totalement lucide. Voilà, l'artiste ne doit pas être totalement lucide. Et dans l'introduction également, je parlais du franc CFA. On va y revenir, mais avant de revenir sur le franc CFA, on parle d'indépendance, des indépendances des États africains. Et vous avez un projet activisme, vous parlez des panafricains, notamment les Patrice Lumumba, etc., Nkrumah, hein, et tout. Aujourd'hui, on parle d'une jeunesse qui est en perte de repères. On doit revivre, en tout cas, retracer en tout cas la vision de ces pères des indépendances qui ont quand même ce rêve là d'avoir une Afrique unie. Toi, tu penses quoi du panafricanisme? Déjà, es-tu panafricaniste, l'homme Cossivas? Un Africain qui n'est pas un panafricaniste, est un Africain perdu. Pour commencer. C'est-à-dire? Bah, concrètement, quelle est notre place dans le monde si on n'a pas compris que c'est dans les grands ensembles qu'on pourrait nous aussi nous affirmer? Les gens pensent que quand on parle de panafricanisme et tout ça, que c'est des histoires politiques. Non, c'est pas ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas ça. On parle beaucoup du CFA, mais on parle moins des APE. Parce que c'est des choses qui nous impactent dans nos vies quotidiennes. Et c'est ça aussi le problème de tout ce qu'ils veulent faire les intellectuels avec des gros mots, tout ça, quoi. Le gars, il achète sa pâte, il achète son ADMET, tu vois. Il veut envoyer son enfant à l'école, etc. Les gens, ce que les gens n'oublient pas, c'est que tous ces trucs qui se passent à un certain niveau ont des impacts. Là, je dis que l'Africain, s'il veut vivre dignement, doit comprendre qu'il faut qu'on soit ensemble. On revient sur la question du panafricanisme. La France, concrètement, à l'époque, avait compris que pour diriger ses colonies, il fallait les organiser en Afrique équatoriale française et en Afrique occidentale française. Du coup, quand les gens ont demandé l'indépendance, ils sont battus, ils se disent, bon, là, on ne peut plus gérer les affaires. On leur donne leur micro-étoile, on a flatté nos égos. Tu vois, les Sylvanus étaient contents d'avoir un petit pays ici, le Togo, voilà, le Bénin. On a flatté nos égos, on est rentré dans un piège. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'aujourd'hui, quand tu vas à l'Union Européenne, ils se battent pour être ensemble. Ont-ils eu tort de réclamer cette indépendance-là? C'est pas le tort de réclamer l'indépendance. Mais l'indépendance, à l'époque, de réclamer pour peut-être des petites nations, n'était qu'une phase. Et justement, dans la phase, nous, on n'a pas continué ce combat pour aller vers l'indépendance totale. J'ai eu la chance ou l'opportunité de rencontrer Paul Haye. Paul Haye, qui
à dessiner le drapeau togolais. Un drapeau, tout le monde sait ce que symbolise un drapeau pour un pays. Et quand ce monsieur m'a dit, vous devez vous battre pour notre vraie indépendance, ça voudra dire qu'il n'y a pas eu de transmission de relais. C'est-à-dire que dans le temps, nous pouvons vivre peut-être maximum, je ne sais plus combien, c'est quoi notre durée de vie aujourd'hui. À l'époque, les gens vivaient 100 ans. Nous, peut-être, c'est 50, 60, 70. Oui, aujourd'hui, ça avoisine les 50. On parle de 45, 50 ans. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, concrètement, si on arrive là, c'est quelle transmission nous faisons? Quelle transmission il y a eu de tous ces grands-là par rapport à nous? Tu sais, la souris qui a échappé à un piège là, il ne réagit pas de la même manière que la souris qui vient de venir fraîchement. Et c'est la différence entre ceux qui sont battus contre le colon, qui ont vécu le code de l'indigénat et toutes ces injustices-là, et tous ceux qui sont venus après. Justement, quand tu vois tout ça, la plupart des gars qui se sont battus, soit on les a assassinés, soit après ils ont eu le pouvoir, on a fait des coups d'État. On a repris qui pour la plupart? C'est des gens qui collaboraient. Donc on est rentré dans un truc, on a fait un système éducatif où on ne nous dit pas ce que nous devrons normalement entendre. Et même quand tu en parles, ça dérange les gens. Les gens ne veulent même pas entendre ça parce que c'est comme si... Je sais pas si tu as vu le film Get Out. Il y a un film qui s'appelle Get Out. J'invite tout le monde, ceux qui suivent, aller chercher le film Get Out. Ce film-là, c'est pas un film. Mais en gros, c'est une histoire d'un jeune noir qui sortait avec une blanche, mais la blanche, en fait, quand il ramenait les jeunes noirs chez lui, chez elle, c'est-à-dire il faisait une chirurgie, il prenait le cerveau des noirs, il trouvait des noirs compétents, tu vois. Elle ramenait chez elle et on les vendait. Et justement, dans le film, le monsieur qu'on cherchait, parce que c'était un grand photographe, il y a un type qui avait une grande galerie, mais il était aveugle, il voulait les yeux de ce noir-là. Et à un moment dans le truc, le gars, il a vu un gâchis, ils n'étaient pas beaucoup de noirs dans le truc, et dans la réception. Et il a mis son flash, quoi. Et quand il a flashé un des gars qui avait été, disons, lobotomisé, le gars, il a eu des flashs, tu vois. Il faut flasher les gens. Et comment cette jeunesse-là doit s'approprier cette vision-là des personnes? Faut les flasher. Il faut faire des émissions comme dire ce qui se passe là. C'est comme ça que tu flashes les gens. Il faut flasher les gens. Les gens sont endormis dans eux-mêmes. C'est des zombies. Est des zombies. Voilà. Si vous nous suivez, vous êtes sur Taxi FM. Si vous êtes zombie, flashez-vous. Seulement maintenant, et l'envers, c'est dans l'émergence. On parle des questions aux Africaines ici, c'est ça. C'est une action qui est inspirée par la réflexion, une réflexion qui suscite finalement l'action dans cette émission Émergence. Et l'envers, on parlait de la problématique des indépendances avec la vision des pères, des panafricanistes, les Patrice Lumumba. L'activisme, c'est un projet que vous menez. Je ne sais pas d'artivisme finalement, mais rapidement, activisme, c'est quoi? C'est un projet, c'est un triptyque. Projection documentaire sur des personnalités qui ont marqué positivement, selon nous, l'histoire de l'Afrique. C'est pas forcément des personnes de peau noire. Che Guevara, il a failli perdre sa vie au Congo pour les Congolais, tu vois. Ensuite, suivi d'une discussion en débat, et après un concert. Et quand je parle de concert, c'est l'art dans toute sa généralité. Il peut y avoir de la danse, graffiti, mais toujours des gens qui ont des messages. Et c'est un projet qui est itinérant dans la mesure où c'est pas quelque chose qui se fait sur place. Donc on a en 29 chapitres depuis 2009. On a fait je sais pas combien de pays, on a fait la France, on a fait Dakar, on a fait Cotonou, on a fait Accra, voilà, on se déplace, on a fait Malimé, Azanou. L'idée, c'est que des jeunes Africains se rencontrent. On a compris, en fait, cet activisme-là, c'est aussi ta manière de flasher. Il faut flasher les gens. Faut flasher les jeunes, comme le disait bien Léon Cossimès. Je parlais du franc CFA, et justement, le débat sur le franc CFA fait depuis un certain temps le choucras des médias. Et vous avez justement déclamé un slam, où vous me disiez que ce n'est pas un slam, c'était un rap. Ouais. Et donc, c'est sur le sujet, c'était en octobre 2016, vous me disiez qu'on vous invitait lors d'une conférence, où c'était quand même dans un cadre où les intellectuels doivent réfléchir sur le franc CFA. Et le test, votre test, est intitulé le blues des pharaons. Le blues des pharaons. C'est un titre sur l'album Indigo. Est-ce que ça a un rapport avec l'Égypte antique, l'histoire de l'Afrique? On est des pharaons déchus, tu vois. On est des pharaons qui s'ignorent. Les Africains veulent pas comprendre. C'est qui un pharaon? C'est des bâtisseurs de pyramides. Nous sommes des bâtisseurs de pyramides. On a oublié qu'on peut faire des grandes choses. C'est ça le truc. On est habitué à manger le haïmol le matin, le kom le midi et le foufou le soir. C'est pas ça la grandeur. Des bâtisseurs de pyramides. Et quand on voit la tour Eiffel, ça nous sublime. On veut tous aller à Paris prendre une photo de la tour Eiffel. Aller en Égypte, prendre des tours. Pyramides déguisées, Khéops, etc. Parce que c'est nos grands qui ont fait ça. C'est des noirs comme nous qui ont fait ces trucs-là. Comment se fait-il que ces gens, ils ont pu faire de grandes choses comme ça il y a des millénaires, et qu'aujourd'hui on soit là rampé à demander 1 million, 1 milliard pour faire construire une école et tout ça?
Alors que, oui, déjà quand on parle de l'Égypte antique, avec l'histoire des pyramides, des pharaons, il y a des grands savants comme le Pythagore, les Socrates qui ont toujours fait des tours là-bas en Égypte pour se former. C'est finalement la terre de la connaissance. Eux tous, je crois, cher, qu'on t'a déjà pas tellement dit sur ce sujet, tu vois. Il faut aller lire Nation et Agriculture. On t'a déjà pas tellement écrit sur cela. Et pour toi, ça représente quoi quand tu parles de blues des pyramides? Le blues des pharaons, c'est pour moi, pharaons, c'est... Oui. Ouais, on a un blues. On s'est oublié. Penser en mouvement, le cœur debout, la fond en érection, j'écorche comme les scribes de l'Égypte antique. Des actions pour soigner l'agonie de l'Afrique. Des théorèmes démontrant la force mystique. Certes, nos propos nous... Tu vois, je peux faire le test, tu vois. Ouais, ouais. Et puis, flasher encore. Justement, Elom Consibes en direct, tu Radio Taxi FM dans l'émergence. Elom, tu disais, je vais te citer, le franc CFA, c'est la belle garce qui tient nos têtes dans le creux de ses crocs. Et ça, c'est parce que j'étais devant des intellectuels. Je voulais faire gentil. Sinon, pour faire le jeu de mots. Je fais gentil. Sinon, dit cette belle garce qui tient nos têtes dans le creux de sa chatte. Disons les choses. Là, le jour-là, j'étais devant Zebelinga et tout ça. Donc, tu voulais pas faire. On va te taxer de vulgaire. J'ai pas voulu trop le choquer, tu vois. Donc, j'ai changé le truc vite fait. Et c'est ça l'image que j'ai. C'est-à-dire qu'on prend un plaisir à faire l'amour avec une garce. L'Afrique prend le plaisir à faire l'amour avec une garce, alors qu'elle peut faire autre chose. On peut faire autre chose, mais ça nous plaît, on est dans un confort. Kakoun Boukwa, justement, ils ont écrit un livre qui s'appelle « La servitude volontaire ». Volontaire. Il y a quelque chose là-dedans aussi. C'est qu'on a peur de prendre des risques. Alors que tout ce que l'Afrique a à faire, c'est prendre des risques. Ça veut dire que toi, ton combat, il est clair. Tu rejoins des gens comme Kémi Séba, activiste, et qui a été entre-temps, chassé carrément du Sénégal. Il est actuellement au Bénin. Il faut des milliers de Kémi Séba. Oui. La réalité, c'est qu'il y a, je te disais tout à l'heure, hors coulisses, tu vois, c'est quoi la peur, c'est quoi le courage? La peur n'est qu'une barrière, c'est un obstacle. Et puis, il y a de ceux qui ont le courage. Celui qui est courageux, c'est parce qu'il a peur. Si tu n'as pas peur, tu n'es pas courageux. Et les Kémis, c'est des gars courageux qui ont accepté transcender la peur. Ouais. Et puis, il y a des gens qui s'asseyent sur la peur, et puis il y a des gens qui sont derrière la ligne de la peur. Donc, vous comprendrez, on peut comprendre en tout cas qu'aujourd'hui, vous dites que c'est. Vous parlez de servitude volontaire, on parle également de servitude monétaire. Quelle est la différence entre un Kako et un Kémi Séba? C'est toi qui poses des questions, mais moi j'en pose. Quelle est la différence entre un Kako et un Kémi Séba? Quelle différence? Ils sont africains. De toute façon, on va parler d'intellectuels et tout. Et voilà, mais en gros c'est des gens, c'est une chaîne. Un Kako va écrire un livre, c'est un grand économiste qui va t'expliquer que c'est comme ça qu'il faut faire pour faire le truc. Oui, aujourd'hui, on a compris. On a compris en tout cas que le débat sur le franc CFA n'est plus dans le cercle des intellectuels. C'est descendu finalement dans la rue où tout le monde en parle parce que ce n'est pas qu'un phénomène économique. C'est devenu un phénomène plus que social, sociétal également, sociologique. Donc, il faut en parler parce que chacun... J'ai écrit un test lors du livre, du lancement du livre Marianne et le garçon noir. J'ai écrit un chapitre dans le livre. Et le jour du lancement du livre, il y a Léonora Miano qui m'a demandé, écris-moi un test sur le CFA, tu vois. Moi, je suis pas économiste de formation. Et le test là, bon, voilà, comme je t'ai dit, j'ai pas lu ton protocole avant de venir, j'aime pas lire, j'aime la spontanéité. Peut-être un jour, je t'enverrai, tu le diras ici. Au-delà de tout ce qui est sociétal, au-delà de tout ce qui est économique, je pense que on doit accepter de grandir. Parce qu'au fond, ça nous plaît d'être dans les jupes de Marianne. On aime ça encore, quoi. La France nous sublime toujours. Ah, Revisa, Yevodé. Je ne sais pas, quoi. Il y a quelque chose qui nous est rentré dans la tête depuis plus petit. Et comment vous, en tant qu'Elon Vince, artiste africain, qui a plusieurs fois l'occasion d'aller en France, dans plusieurs pays de l'Occident même, et vous êtes arrivé à ce niveau-là où vous gardez vos valeurs, vous en êtes fier, alors que ce n'est pas vraiment le cas chez tous les artistes? Je pense que si beaucoup de gens voyageaient, ils comprendraient que la richesse, elle est ici, et que l'avenir, elle est ici. C'est peut-être parce que les gens ne sortent pas trop aussi, qui pensent que qui sont toujours sublimés par là-bas. Je dis pas qu'en Europe tout est mauvais, non, je dis pas ça, mais je dis on ne peut pas vivre dignement en tant que noir africain dans le monde si l'Afrique n'est pas bien. Vous avez entendu la parole de comment les noirs sont aux États-Unis. Partout, les africains, ils ont des problèmes partout dans le monde. Pourquoi? Parce que justement, l'Afrique n'est pas à sa place. Si tout à l'heure on touche à un français blanc
quelque part dans je sais pas, en Amazonie, la France va réagir. Mais dans cette histoire d'esclaves vendus en Libye, si c'est pas CNN qui en a parlé et que les Européens ont commencé à parler avant que l'Union africaine en parle, avant que quelques États africains en parlent, on se déteste, mon frère. Et justement, qu'est-ce que vous pensez de ça? Quelle analyse faites-vous finalement de cet esclavage en Libye? Alpha Condé, le président de l'Union africaine, s'est dit indigné. Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, s'est dit horrifié. Macron parle de crimes contre l'humanité. Est-ce que vous avez un commentaire? Parce qu'il y a quand même des ONG qui parlent de l'hypocrisie de ces dirigeants-là. C'est l'hypocrisie. L'hypocrisie. De qui a semé le chaos en Libye? C'est Sarkozy. Il ne faut pas aller chercher par mille chemins. Il ne faut pas lire des rapports des Nations Unies pour comprendre ça. On parlait tout à l'heure de l'industrialisation de la mort, mon frère. Ce type-là, on aurait pu l'arrêter. Peut-être on le tue. On veut donner un exemple. Vous voulez faire comme lui, on va vous lâcher comme des chiens. Et on lèche le type comme un chien. On laisse son pays dans un chaos total. Après, Macron peut venir dire devant les étudiants du Burkina que, après tout, c'est les frères, les noirs qui vendent des noirs. Donc, je ne dis pas que dans le processus, parce qu'après, c'est une mafia qui s'installe. Tout le monde veut tirer, veut. Voilà. Tu sais, la patte du gain n'a pas de couleur. Hein. On veut tirer le drap de son côté. Tout le monde veut tirer le drap de son côté, ou tout le monde veut tirer son épingle du jeu, ou tout le monde veut tirer, je ne sais pas, sa langue de la bouche de quelqu'un. Tu Et vois donc, vous voulez dénoncer, vous voulez dénoncer quand même cet assassinat. Vous appelez ça assassinat de Kadhafi? C'est l'assassinat de Kadhafi. On a assassiné Kadhafi comme on a assassiné plein de gens. L'histoire du monde, c'est violent, quoi. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Je ne suis pas dans le sentiment. On va écouter. Je vais faire signe à Francis, le technicien. On va écouter, je crois que c'est votre dernière sortie, non? Et d'appeler Fessou, les cheveux et les ongles. Des cheveux et des ongles. Et là, vous parlez de décapiter les blancs, je crois. C'est un Est-ce que vous parlez de Saddam? Vous parlez de Saddam Hussein? Sultané, on a décapité, qu'est-ce que, attends? Pour eux, ce sont des vulnérables qui ont pu résister. Everywhere the white man goes, he brings misery. Everywhere the white man goes, he brings misery. Donc partout l'homme blanc est passé là, il est porteur de misère. Non, mais il faut, excuse-moi, que tu joues ce morceau parce que c'est très important. C'est pas du racisme. Il faut qu'on lise l'histoire. J'ai parlé des hommes rouges, les hommes de peau rouge. Les Indiens, comme on les appelle, parce que c'était même pas des Indiens, les gars ils sont perdus. Ils croyaient qu'ils allaient en Inde, ils sont tombés là-bas, ils ont appelé ça Inde. Les gars, les Arawaks, on les appelle Indiens du jour au lendemain. Boum! C'est comme toi là, je sais pas de quel village tu viens du jour au lendemain parce que les gars voulaient aller en Asie. Ils disent que tu es un Asiatique. Tu vois, c'est une violence d'une autre forme. Mais ces types là, ils nous ont appris à planter le maïs. À faire ça, qu'est-ce qu'ils ont fait après? Justement, on va écouter au Sultana Saddam. Donc, on va écouter Edaklu Fessou, assez philosophique, assez profond. Et l'offre aussi. Donc, allez. Mwado Viviti, est-ce que finalement c'est l'Africain, c'est le cri de détresse de l'Africain qui était au début de cette chanson-là, face en tout cas au maître entre griffes blancs? Le cri, j'aime le cri. Tu sais, je regardais une interview de Jay-Z ce matin qu'il a donnée au New York Times. Il disait que la force d'un homme, c'est de pleurer des fois. Et souvent, quand les gens parlent de cri comme si c'est un acte de faiblesse. Le cri est un acte de force parfois. Le cri est un acte d'amour parfois. J'aime souvent dire que en français, il y a une expression qui dit avoir un coup de foudre. Et ça parle d'amour. La foudre, c'est pas gentil. Dans nos cultures, quand quelqu'un dit cela, c'est presque une malédiction.
Mais pourtant, c'est par cette expression qu'on exprime quelque chose d'incontrôlable. Quand tu dis « Et moi, d'où vivitiez ?» au début de la chanson, tu voulais dire quoi ?« Et moi, d'où vivitiez ?» Notre chemin, il est sombre. Regarde l'histoire de l'Afrique. Notre chemin, il est sombre. C'est pas que c'est juste sombre. Si c'était juste sombre, l'autre jour, je sais pas. Et tu parles de Eda. Et d'Akoudou Fessou, voilà, les cheveux et les ongles, le technicien qui se marre de l'autre côté, parce que je parle de d'Akoudou Fessou. Et pourquoi tu dis ça? Est-ce que tu parles d'ADN de l'Africain? Fessou, je dis que Natia Sindé et Kwarula Kula. Et ce qui est intéressant dans nos langues, c'est que le même mot qui exprime la graine est le même mot qui exprime la mort. Et d'Akoudou Fessou, pourquoi? C'est parce que peut-être faut remettre le contexte dans lequel j'ai écrit ce morceau. Est-ce que finalement tu veux parler de la renaissance de l'Afrique? Parce que tu dis il y a tellement de choses à dire. Tu dis que on enterre pour que ça renaisse la graine. Tu parles de la graine. La graine. C'est pour que toute chose qui doit naître doit mourir. Doit mourir d'abord. C'est peut-être pour les chrétiens on dit né de nouveau tout ça. Tu vois ce que je veux dire, non? Mais au fond. Tout ce qui doit naître doit accepter de mourir. Est-ce que l'Afrique est déjà morte pour renaître? L'Afrique est morte plusieurs fois, mais l'Afrique n'a pas envie de renaître encore. L'Afrique est morte plusieurs fois, mais l'Afrique... En fait, sachant te dire, il y a une volonté aussi qui fait que tu naisses. Il y a un problème, c'est justement... Je vais peut-être rapidement situer le contexte. Ce morceau, je l'ai écrit quand j'écrivais mon chapitre, qui s'appelle « Dokosi Nono », genre « L'appropriation de soi ». C'est le titre de mon chapitre dans le livre Marianne, le garçon noir. Et ce qui m'a été demandé, c'est ma vision en tant que jeune africain, homme, noir, vivant sur le continent, ma relation avec la France. Et je dis, ce qu'il faut faire, c'est la rupture. Qu'on parle CFA, faire les choses par nous-mêmes, accepter que si on fait ça, on ne va peut-être plus parler français, on ne va plus avoir peut-être de bourse, on aura peut-être d'instituts français, tout ça. Mais créons autre chose. Et justement, ce livre a été voulu parce qu'il y a un jeune noir qui s'appelle Théo qui s'est fait sodomiser avec une matraque. Et que quelques temps avant, il y avait Adama Traoré qui a été tué par des policiers. Aujourd'hui, avec les smartphones, on voit comment on tue les noirs dans les rues, etc. Et j'ai pensé à Dakle Fessou. Pourquoi? Parce que même dans nos familles, peut-être si on fouille bien un cousin, peut-être est mort en France d'une mort violente, on n'a pas pu peut-être rapatrier le corps. Qu'est-ce qu'on en voit? On en voit les cheveux et les ongles. Et quand je suis commencé à fouiller les cheveux et les ongles, je me suis dit quand même, c'est les extrémités de l'être humain. Quand tu étends tes pieds, tes bras et ta tête, c'est les ongles qu'il y a au niveau de tes mains. Tes pieds, c'est les ongles encore. Et la tête, c'est les cheveux. C'est nos extrémités, c'est ça qui nous fait. Et en même temps, j'ai demandé, il paraît que même quand un corps, il paraît qu'un cadavre, tu vois, le cadavre, même parfois, il paraît que les ongles continuent de pousser, les cheveux continuent de pousser. Et si ce n'est pas totalement vérifié, c'est que c'est des endroits qui pourrissent difficilement. En effet. C'est pour dire que... malgré tout ce qu'on a subi comme violence. Même si on crie, on n'est pas dans le cri de plainte. C'est pour dire qu'on va être là. Notre cri là, l'écho est ad vitam aeternam. On ne peut pas mourir, tu vois. On ne va pas nous effacer du globe. Mais il faut qu'on s'organise. Parce que même si Benzé avait son gbas, ça ne l'a pas aidé. Sa mouriture avec ses fils, ça ne l'a pas aidé. Tu vois. Donc il faut autre chose. Il faut autre chose. Et je pose une question dans le morceau. Quand le vase en fer, quand le vase en argile, qui gagne? Il n'y a pas photo. Qu'est-ce qui gagne quand le vase? Donc c'est une question que je te pose. Non, mais je te pose photo. Une colle là. Quand le vase en fer, quand le vase en argile, qui va gagner selon toi? C'est moi qui pose des questions, Lombès. Et quand on... Est-ce que c'est possible, Francis, d'écouter la fin de la chanson? C'est possible d'écouter la fin de la chanson parce que moi ça m'a interpellé vers la fin où il y a eu des... Si tu as un artiste qui fait le journaliste ici, qui fait joue un artiste. La si la fin t'a parlé, c'est que t'es un artiste. L'Afrique marche en... Merci, et l'Ouest, quand moi j'écoute ça, j'ai envie de te dire que j'écoute les ancêtres, ce sont des incantations, ce sont des rituels. Pourquoi? Ça, c'est une incantation.
C'est comme ça que je l'appelle, c'est pas un morceau, c'est une incantation. C'est une incantation par exemple. Sagbe. Et d'après, fait Sagbe ça. Donc pour toi, c'est ce qu'on écoutait, c'est des rituels. Est-ce que pour toi, c'est ça même l'essence, le sens, l'essence et le sens même de la musique, ce côté rituel-là de nos ancêtres? Est-ce qu'il y a une religion sans musique? Il n'y a pas de religion. Parce que moi, ça m'interpelle. Même au fond de mon casque, j'écoute ça, ça me parle. Non, mais tu vois. Pourquoi? C'est une musique qui va parler à ton âme. Les Américains appellent ça Sao Music. Sao. Sao. Écoute ça, c'est que tu peux pas être indifférent. Et là, tu affiches et tu affirmes toute ton africanité dans ta musique. C'est que quand tu es rappeur, aujourd'hui, moi, je fais plus des 3 couplets, tu vois. Je suis dans des 16 mesures de 2 couplets. Parce que je suis plus dans la quantité, je suis dans la qualité. Et quand je finis, ce qui est intéressant derrière, c'est que quand on fait ce morceau, à la fin, qu'est-ce qu'on met? On n'a pas pensé à des samples, on a dit c'est la musique qu'il fallait. Il faut revenir vers chez nous, c'est tout. C'est ce que le dit. Je commençais pas à Viviti, mais à la fin, j'ai dit lumière à travers le son. Et quand on dit lumière et son, on va peut-être penser aux équistes, tu vois. On va penser à, je sais pas, tout ça, tu vois. Lumière et son, c'est ça. Lumière et son. Donc vous revendiquez finalement quelque part vous êtes le courroie de transmission de cette valeur culturelle africaine aujourd'hui à travers votre musique. Et ça manque à la génération actuelle. Je pense que la musique elle est spirituelle. Je disais dans une interview récemment que j'ai pas envie de faire du fast food. Je pense que la musique que tu écoutes est quelque chose qui influence ta manière de penser, influence qui tu es. Si tu passes ton temps devant une chaîne comme Trace TV, quand tu es un homme et que tu regardes que des fesses à longueur de journée, je te jure que ça impacte ton cerveau. Tu vois ce que je veux dire? La musique que tu écoutes qui rentre dans tes oreilles, c'est le son n'est pas... C'est pas comment dire. C'est-à-dire, ce que nous il y a le corps qui mange, il y a l'esprit qui mange. Et justement, le son, c'est une nourriture pour l'esprit. Donc, faites attention à ce que vous écoutez comme son. Parce que vous donnez, c'est dans l'esprit ce que vous. Et nous connaissons, c'est des fois même. En français, on peut pas dire des choses quoi. Et quelque part, vous disiez que l'ignorance égorge mon peuple. Est-ce que ça, c'est en phase avec ce que vous venez de dire? Ouais, l'ignorance égorge mon peuple. Et moi, c'est même pas moi qui l'ai dit. Je pense qu'il y a un gars plus grand qui l'a dit. Je crois le Christ. C'était un gars qui était grand. Quand le gars te dit fou, il est toujours pour moi chrétien, donc voilà. Donc c'est une parenthèse très fermée. Ouais, pour moi il y a deux choses. Pour moi le Christ n'était pas chrétien. C'est après le christianisme est venu. Le Christ il n'était pas chrétien. Bon, ok. on va pas s'aventurer sur ce terrain. Ouais. Et l'homme Cossévès, on parle d'Afrique et des développements du continent. Aujourd'hui, à Salfo, par exemple, lors des forums Africa 2017, dit que l'artiste n'est pas seulement celui qui vous fait chanter ou danser, mais celui qui s'engage pour contribuer au développement de son continent. Est-ce que tu te retrouves dans cette déclaration? Est-ce que toi, aujourd'hui, à travers ta musique, tu es dans ta mission? Moi, je pense que ce que je fais de plus valeureux sur Terre, c'est la musique que je fais. C'est pas les diplômes que j'ai eus, c'est pas l'argent que je vais avoir sur mon compte, c'est ce qui va rester quand je vais partir. Ouais, c'est ça. C'est... La musique, pour moi, c'est pas un jeu. La musique n'est pas un jeu. On peut pas jouer avec la musique. La musique, c'est pas un jeu. Bob Marley, tout ça, ils ont pas joué avec le truc. Le gars, quand il écrit un morceau, c'est pourquoi il écrit. C'est pas du fast-food. C'est pas on met le jambon ici, on met le truc ici, on dit on vous sert. Tu prends le temps, tu vas, tu cultives même les légumes que tu veux que tu veux cuire. C'est ça le truc. Voilà. Donc on me fait signe de l'autre côté avec des grands gestes. Malheureusement, ça va très vite. Que le temps qui nous est imparti est fini. Macron à Ouagadougou, ça, on va parler brièvement et se quitter. Qui dit à Rochma Christian Kabore, son homologue burkinabé, qu'on va déclassifier les documents concernant Thomas Sankara assassiné en 1987. Pour vous, ça fait quel effet? C'est que du leurre. Oublions la France. Il est temps d'oublier la France. Parce que le même gars qui dit déclassifier les documents Sankara, c'est le même gars qui humilie son homologue. Tu vois? Oublions la France. On pense trop à la France. Oublions la France. Quand on dit la France, je ne parle pas des Français. Il ne faut pas faire l'amalgame des choses. Voilà, France en tant qu'institution. On a très vite compris, Elom Kossi Vince, peut-être en 30 secondes, l'honneur doit être à toi de dire le dernier mot de cette émission.
Natchela Sinkwa de la Couche assassine ma mort et l'enterre dans ma métaphore Azéa que raconte nos ADN, nos rythmes ancestraux ou le chant des corsaires, les négriers, les pirates, les Mobutu, les pilates, pliageant à Guission, tresser les cordes, les idées que je leur mets au cou comme ils l'ont fait à Ken Saro et à Dedane Kemate. Basse de Kamso, de la Kesso, Malé, Benzé et Martinico. Tcho, nous sommes les Kayaswa, Samori, Touriade, mais Gabon et Bedaïa, il nous faut des Sansou, des Hannibal, des putains de stratèges, des Dandara, des Zou- billet de Ramon Kota, le vase en fer comme le vase en argile, qui gagne selon toi, c'est la science que je livre, les clés que je glisse, mes lyrics et mes clips, c'est pour ça qu'ils égorgent les frères, Anselme et Duty, Trevon, Malek Ousekin, Garner, Eric, Bouna et Ziyet, repose en paix Adama, force à la Sista Assa, mais au fond qu'est-ce qu'on fait pour éviter tout ça? L'Afrique marche encore, un canon dans le cul, une machette dans la main, égorge ses propres fils sous la capirote de nos coucous clans. Émergence 2071. Écoutez le frère Flams. Écoutez-le les frères, les sœurs, peace. Merci. Taxi FM 93.1. Cesser d'être la périphérie des autres et être le centre d'elle-même. C'était Kossi Elombens avec nous dans Émergence sur Taxi FM. À la coordination technique, c'était Francis Daé. À la semaine prochaine. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. 2-1. Vous écoutez Taxi FM, musique, sport, information. Toutes vos passions sont forcément sur Taxi FM.